Bon, alors aujourd'hui, pas de tuto, juste un partage avec la naissance de, enfin l'éclosion, va-t-on dire plutôt, de mes coureurs indiens. Donc ces coureurs indiens, en fait, je les ai récupérés une couvée qui a été abandonnée chez moi 2 semaines avant la date d'éclosion, donc je les ai finis en incubateur artificiel. Avant-hier, ça a commencé à bêcher, j'ai attendu 24 heures et je les ai passés donc ensuite en éclosoir. Et du coup, pour ceux qui sont tentés pour l'incubation artificielle, eh ben, vous aurez quelques petites infos sur comment gérer surtout l'éclosion qui est la plus critique, avec ce qu'il faut faire pour être sûr d'avoir une éclosion qui se passe bien et pour la suite. Allez, c'est parti pour la vidéo.